m'appelle Jean-François Cottier, je suis professeur de langue et littérature latine à l'UFR LAC, Lettres, Arts et Cinéma. Je dirige le master Lettres, Arts et Sciences Humaines. Et donc, comme spécialiste de latin, je travaille sur le latin de la Renaissance et du Moyen-Âge. Et donc, Eric et moi, nous nous connaissons depuis 2014. Eric est un éminent 16e américain. Et il a un point commun avec moi, c'est qu'il aime beaucoup la figure d'Erasme de Rotterdam, puisqu'il dirige la revue Erasmus Studies, qui est la référence en la matière. Moi, je m'appelle Eric MacPhail, je suis de San Francisco, moi, et je suis professeur de français 16e à l'Université d'Indiana à Bloomington. C'est la première fois que je viens à cette université. Ce n'est pas mon premier séjour à Paris ni en France. C'est ma première occasion de venir à ce campus. Et en fait, c'est une réponse d'invitation, puisque moi, j'ai été invité à Bloomington en 2017. Jean-François, d'ailleurs, il était donc l'invité de notre Institut d'études avancées. Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez prestigieux. On a non seulement des intérêts académiques en commun, mais on s'entend très bien. Et bon, c'est un plaisir de travailler ensemble. On est pas seulement des spécialistes d'une figure, mais on est des spécialistes des textes. Et s'il y a bien quelque chose qui caractérise Erasme, c'est un des premiers grands éditeurs de la Renaissance et qui a été lui-même obsédé par retrouver, par exemple, le texte des Évangiles ou le texte des grands auteurs antiques et d'éditer ces textes. Et je crois qu'on peut dire qu'un point qui nous réunit, mais qui réunit aussi beaucoup de collègues ici, c'est cette importance qu'on accorde non seulement aux textes, mais à leur compréhension, à leur lecture. Et justement, on parle de tolérance religieuse. Il est évident qu'Erasme est une des grandes figures des débuts de la Réforme et qu'il est contemporain du début des guerres qu'on va appeler des guerres de religion. Et donc, il a beaucoup écrit sur la tolérance religieuse, sur les problèmes que pouvait poser la religion au cœur de la cité. Je m'intéresse beaucoup à un épisode fondateur un peu de l'histoire de la tolérance, c'est-à-dire l'émergence de Martin Luther et les débuts de la réforme. Erasme restait toujours fidèle à l'Église catholique romaine, mais ne voulait pas qu'on persécute Luther, même si Luther n'était pas tout à fait digne de son amitié. Mais bon, Erasme a réfléchi profondément sur le droit de ne pas être d'accord avec l'autorité. Il y a, je crois, quelque chose qui est important dans la pensée d'Erasme. C'est un des premiers qui va interroger la notion d'autorité, c'est-à-dire l'autorité des textes, qui dit la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est l'autorité, aussi bien au niveau des écrits évangéliques que des écrits des grands philosophes, des grands auteurs. Et je crois que cette interrogation sur qu'est-ce qui donne au texte une autorité peut nous servir de guide quand même. Ça fait partie certainement de l'héritage érasmien. On a plus que jamais besoin de rappeler ces valeurs qui reconnaissent une certaine humanité commune. On dit même que c'est le prince des humanistes. Le plus grand humaniste. Et il y a un adage latin qui dit que l'homme est un voyageur, un homo viator. Et je pense qu'Erasme, c'est vraiment cette figure de l'humaniste itinérant, qui s'intéresse à tous et à tout le monde. Et je crois que c'est une des grandes vertus aussi. Il traverse l'Europe de son temps. Hein. Pédagogue de l'Europe, c'est exactement ça. C'est le précepteur du jeune Charles Quint, c'est le conseiller de François Ier, c'est l'ami des cardinaux, c'est le rival, mais aussi peut-être quand même le parèdre de Luther. Enfin, c'est un personnage tout à fait fascinant. Enfin, Erasme, c'était le grand précepteur de l'Europe du XVIe siècle. Et je crois qu'on a raison, finalement, de donner son nom. Un programme, surtout c'est un programme qui permet aux étudiants d'un pays, n'est-ce pas, d'effectuer leurs études dans un autre pays et de connaître d'autres gens, d'autres cultures. Et enfin, je crois qu'on a très bien fait d'honorer Erasme et son héritage. Et aussi, il faut reconnaître peut-être un paradoxe dans la carrière d'Erasme qui n'a écrit qu'en latin. On va peut-être commencer par ce qu'Erasme a intitulé « Novum Instrumentum », qu'il a publié en 1516 et dont on a fêté il y a quelques années le 500e anniversaire. Et c'est donc son édition du Nouveau Testament, où il a édité texte grec, il a retouché la traduction latine Vulgate et il a accompagné son édition d'annotations. Aujourd'hui encore, les plus grands spécialistes de la Bible utilisent l'édition du texte d'Erasme
comme texte de référence. C'est qu'il a en tête de rendre accessible le texte des Écritures à tout le monde. Alors, il y a plusieurs textes qu'on connaît très bien, les colloques, qui sont des ouvrages un peu pédagogiques, hein, c'est pour apprendre aux élèves sur un mode plutôt ludique à parler latin, puisqu'à l'époque, on parlait latin. Et puis, le livre que tout le monde connaît, qui est une anecdote pour lui, hein, il appelle ça un divertissement, c'est L'éloge de la folie. En latin, c'est Encomium Moriae, et qui en rigole, mais à la fin, ça se termine quand même de manière philosophique. Ça, c'est le livre de sa vie, en quelque sorte. Et donc, il y a un travail à faire, à faire reconnaître un peu, à réintégrer Erasme solidement dans le curriculum universitaire. Mais si on dit Erasme, à part le programme, bon, le titre qui va venir à l'esprit des gens, c'est L'éloge à folie, parce que c'était aussi un ouvrage littéraire. Je suis en train de terminer l'édition des œuvres complètes d'Erasme en latin. Donc, c'est publié depuis les années 50. C'est depuis 1969. 69 à Amsterdam. Et donc, le projet, c'est de donner au monde le texte de référence du texte d'Erasme. Je suis en train d'achever la direction du volume d'Erasme pour la Pléiade. Donc, c'est un projet en cours. Hein, il n'est pas encore du tout terminé, mais on a rassemblé l'équipe, on a proposé le projet chez Gallimard. Et ça, c'est pour moi vraiment une étape fondamentale, c'est-à-dire justement permettre au public, au grand public francophone, de mieux connaître Erasme. Eric est le rédacteur en chef de cette très belle revue qui fait 4 numéros par an. On est au volume 42, dont le numéro 1 vient de paraître il y a un mois. Une de mes ambitions, en acceptant cette invitation, en venant à Paris, c'est justement de faire mieux collaborer les collègues français avec les collègues américains et canadiens sur Erasme. C'est certainement quelque chose de très important. En fait, on forme, alors au XVIe siècle, on appelait ça la République des lettres. Oui, c'est le moment de faire revivre un peu cette République des lettres. Fait autour d'Erasme, il n'y a pas de meilleur patron. Alors, dans les petites histoires de ton séjour ici, il y a eu le Covid quand même, hein, puisqu'il est arrivé quelques temps plus tard. Il a hérité du Covid français après y avoir échappé pendant 3 ans aux États-Unis. Parce que vous savez, aux États-Unis, c'était presque zéro. Je suis arrivé en Europe au moment où ça flamboise. Mais ça crée aussi des liens. Je pense que c'est peut-être un des rôles des spécialistes du XVIe siècle que nous sommes, de faire réfléchir à cette question de la place du religieux dans la société, dans la ville, et voir comment on peut aider peut-être à notre manière à y réfléchir, à y penser, et surtout à rappeler des leçons de tolérance qui sont souvent des leçons de compréhension, en fait. À partir du moment où on comprend la base de tout ça, eh bien on peut permettre certainement un dialogue plus nuancé. Pantacoina. Tout est commun aux amis. Ça, c'est le premier des adages d'Erasme.